Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième sous-partie de la partie 4 Azure Defender for Server de la série de vidéos à la source Azure Security Center. On avait plein de choses à dire sur Azure Defender for Server, donc la première sous-partie est une vidéo séparée dont je vous mets le lien en description. Et là, on explique, David explique pour être plus précis, ce que c'est qu'Azure Defender for Server avec les différents sous-composants. Dans cette vidéo-là, qui est donc la sous-partie numéro 2, hein, compliqué à suivre, en gros, David, tu vas nous faire des démonstrations sur tout ce que tu as raconté dans la première vidéo. Eh bien, je te Avec passe la main, plaisir. David. Merci Stan. Et ben rebonjour à tous pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ont déjà vu la première partie, ceux qui arrivent maintenant et qui n'ont pas vu la première partie. Je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on aborde et ce serait dommage de regarder une démo sans forcément comprendre qu'est-ce qui est lié, le pourquoi Du du comment? comment. Donc encore une fois, vraiment, je vous invite à regarder la première partie. Comme Stan vous l'a dit, vous avez le lien dans la description. Deuxième partie vraiment démo. Donc on va vraiment essayer de couvrir l'ensemble des sujets qui ont été abordés lors de la première partie. On démarre de façon classique, on est sur le portail Azure. Je suis sur Azure Security Center, donc j'arrive sur la partie Overview, dans laquelle vous voyez, hein, vous avez toute la partie Secure Score, la partie Azure Defender qui remonte les différentes alertes que j'ai sur mes machines, et la Regulatory Compliance. On n'en a pas encore parlé de ça, c'est important aussi de toucher ça de façon très sommaire, mais en gros, c'est toutes les règles qui vont s'appliquer à un certain benchmark, donc l'ISO, le PCI, le SOC, etc. Et donc vous pouvez voir un certain nombre de contrôles qui sont couverts par ces différents benchmarks pour voir est-ce que vous êtes compliance ou pas d'un point de vue benchmark. Et sur ces standards-là, en tout cas en particulier, vous pouvez aussi intégrer vos propres standards et on travaille dessus. Il y a aussi le CIS qui n'est pas écrit ici, mais que aussi nous on applique aussi à l'ensemble de vos ressources. Le Donc on commence CIS, le encore une fois. Center of Internet Security, hein, qui est un site web qui Exactement. contient plein de white papers pour durcir des environnements, quels qu'ils soient dans Azure et pas que dans Azure, effectivement avec tout un ensemble de contrôles, et on reprend ces contrôles de CIS, notamment effectivement pour cette partie Regulatory Compliance. Yes. Donc voilà pour la partie overview. Vous voyez en haut que j'ai toutes les subscriptions que j'ai sur Azure. Donc là, en l'occurrence, j'en ai pris qu'une seule pour la démo. J'ai aussi des subscriptions AWS et GCP. On va vraiment cliquer dessus vraiment une seconde parce que c'est quelque chose qui est vachement important, surtout sur la partie serveur. Voilà le nombre de ressources qui sont actuellement assessed, qui sont actuellement couverts Évaluer. par Azure Security Center, évalués, merci beaucoup. Et voilà le nombre de recommandations que j'ai et voilà le nombre d'alertes qui ont été générées. Vous pouvez voir ici les alertes en fonction de leur sévérité. Donc on commence fa de façon très très simple. On va aller sur les recommandations qui sont. Comme je vous l'avais dit, il y a certaines recommandations qu'Azure Security Center est capable de vous conseiller ou en tout cas de vous procurer, je pense que c'est comme ça que ça se dit, sans avoir besoin de déployer Azure Defender pour serveur, et certaines recommandations sur lesquelles vous avez l'obligation d'avoir Azure Defender pour serveur, tout simplement parce qu'il y a un agent qui est installé sur la machine qui permet de relever un certain nombre de données et donc de générer ces fameuses recommandations. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout les resource types. Donc là, on va prendre, ben, pour la partie qui nous intéresse, on va prendre uniquement les virtual machines, et puis on va se prendre aussi virtual machine scale set, puisqu'on est des foufous. Et donc là, vous allez voir que Là, tu directement, ne on va cibles que avoir. des machines dans Azure pour l'instant. D'accord? Exactement. Pour le moment, je ne cible que des machines qui sont sur Et si Azure. tu voulais des machines extérieures, on prendrait des Arc serveurs qui doivent traîner quelque Exactement. Qui part sont là ici, Azure entre Arc machines. Machine. Qui sont là. On a aussi des ressources AWS et je crois qu'on a aussi des GCP Resources, donc on a aussi la Super. possibilité de voir les deux. On va vous montrer ça probablement dans un autre épisode, mais en tout cas, vous avez la capacité de pouvoir appliquer un certain nombre de filtres sur les recommandations, puisqu'il y en a plus de 150, et que pas tous s'appliquent en fonction de ce que vous voulez faire et des différentes ressources sur lesquelles vous voulez faire du security hardening. Donc c'est important aussi de pouvoir mettre ces certains filtres. Vous pouvez voir aussi toute la sévérité, quelle est la maturité de la recommandation, est-ce qu'il y a des exceptions, ça aussi on en parlera peut-être un peu plus tard, et l'environnement qui est très important, est-ce que vous voulez voir Azure, AWS ou GCP. Donc là ici vous voyez qu'on a tout un tas de recommandations. Alors là ici vous avez des recommandations qui sont faites sur la base d'Azure Defender pour serveur et des recommandations qui ne sont pas sur cette base-là. Donc là, par exemple, la vulnerability doit être enabled sur ma VM. Donc là, pour le coup, je n'ai pas réussi, en tout cas Azure Security Center n'a pas réussi à déployer la solution VM qui est utilisée avec Qualys sur la VM. Donc vous avez la possibilité d'aller dessus et on vous explique comment il faut le faire, quelles sont les machines entre guillemets qui sont, je dirais, unhealthy, qui ont été affectées par cette recommandation-là.
Et voilà les remediation steps qui vous expliquent. Vous avez aussi la possibilité de faire du quick fix. Tu te souviens, la possibilité. Donc là, je n'ai pas assez de quick fix. Uniquement les gens qui sont resource owner peuvent faire un quick fix. Donc tout simplement, c'est très basique. Vous sélectionnez toutes les ressources, vous appuyez sur fixe, et puis Azure Security Center va, ce qu'on dit on your behalf, donc à votre place, faire entre guillemets tout le sale boulot. Et faire toute la partie de remédiation automatique at scale sur toutes les ressources sur lesquelles vous voulez le faire. Donc voilà pour la partie. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de recommandations pour la partie VM. On a même carrément une deuxième page sur laquelle vous en avez plein, 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 plein. Et puis ça, c'est tout ce qui est custom recommendation. C'est des choses que vous pouvez même ajouter vous-même. C'est des choses que nous vous donnons. Vous avez aussi quelque chose qui est malheureusement pas assez regardé, je trouve, et que beaucoup de clients, enfin, beaucoup d'organisations ne regardent pas forcément. C'est tout ce qui est security best practices qui n'a pas de score. Et puis ça, en fait, c'est des bonnes pratiques. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas une obligation, mais on va dire que si vous voulez vraiment, si vous voulez mettre un petit coup de polish sur votre VM et qu'elle brille, voilà, il faut avoir le Guest Configuration Extension, avoir un bon petit Azure Backup, on ne sait jamais au cas où. Alors, ça ne veut pas dire que forcément, ce n'est pas à proprement parler de la misconfiguration de sécurité, mais voilà, par-ci, par-là, ça fait toujours. Ça améliore la posture globalement. Exactement, voilà, exactement. Voilà. Alors ça n'impacte pas sur le Secure Score, mais comme tu le disais, ça impacte sur la posture de sécurité. Donc voilà pour la partie recommandation. J'ai pris des notes, donc je me barre au fur et à mesure tout ce dont on parle, parce qu'on a vraiment beaucoup de T'as plein de sujets, choses à donc raconter, ouais. vraiment beaucoup de choses à raconter en effet. Donc on va démarrer sur la partie Security Hygiene. Donc vous vous souvenez, on en a parlé. Donc on va la voir ensemble. Elle est juste là. Alors ça, c'est sur la partie Virtual Machine Scale Set, c'est pas celle-ci que je voulais te montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les ressources, comme ça au moins on va tous se les voir. Donc vous voyez aussi ici, on en parlait de ce fameux Secure Score. Donc vous voyez ici qu'on a changé récemment l'UI d'Azure Security Center. Donc vous avez aussi le score maximum par contrôle, et vous avez aussi le score actuel qui vous a été attribué en fonction de si vous avez ou pas appliqué les bonnes remediation steps à vos ressources qui sont dans le cadre de cette recommandation-là. On est clairement sur la gamification, mais c'est un peu le but. C'est déjà pas très Complètement. rigolo de faire ça tous les jours. Si au moins on se donne un peu des objectifs en disant, allez, la semaine prochaine, on essaie d'être à 70%. Voilà, on se donne des goals comme ça, des objectifs. Et puis, dernière chose, est-ce que tu pourrais zoomer juste un tout petit peu, comme ça on verra un tout petit peu mieux sur l'écran. Il y a plein Avec plaisir. d'informations. Voilà, c'est fait. Super, Est-ce que parfait, c'est bon là? merci. Ah, c'est nickel. Donc on continue, donc je parlais de la partie Security Hygiene, donc celle qui vous permet justement de voir un petit peu toutes les mises à jour, etc. Donc ça se trouve dans Remediate Security Configuration. Vous avez Vulnerability in your Security Configuration on your machines should be remediated. Donc quand vous rentrez à l'intérieur, vous vous souvenez, je vous avais montré le petit screenshot dans la partie numéro 1. Si vous ne l'avez toujours pas vu et que vous êtes là et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, allez regarder la partie numéro 1. Si vous savez, vous voyez ici directement, donc voilà toutes les security configurations qui sont sur Linux et aussi sur Windows. Donc vous avez tout un tas de tout un tas de Recommandations. versions qui sont, voilà, tout un tas de recommandations et les versions aussi qui sont couvertes. On vous dit aussi sur quel type de rôle c'est, donc est-ce que c'est de type commande, est-ce que c'est audit policy, registry key, audit policy, etc., etc. Avec aussi la sévérité. Donc vous avez est-ce que c'est un warning, je sais pas, est-ce que c'est critical? Moi, je vous conseille vraiment de venir ici et de faire un bon petit rule severity avec critical. Vous avez aussi le nombre de machines sur lesquelles vous devez absolument le faire. Et donc, quand vous en ouvrez un au hasard, on vous explique exactement ce qu'il en est. Et là, quand vous regardez View Affected Machine, vous voyez dans les différents workspaces, puisqu'une machine reporte à un certain workspace, vous avez directement dans ce workspace-là, on va run la query et vous allez voir les différentes machines sur lesquelles ça s'applique. Voilà, donc là vous avez les noms de vos machines. Et puis si vous regardez un petit peu dedans, vous avez la possibilité d'avoir un peu plus d'informations. Donc voilà, ici vous avez aussi la possibilité, comme je le disais, étant donné qu'on est sur Log Analytics, j'en ai pas parlé, étant donné qu'on est sur Log Analytics, vous avez aussi la possibilité de générer un certain nombre d'alertes. Alors on va d'abord le run. Une fois que ça a été run, on peut créer une alerte en disant, ben moi en fait, je veux que, alors de base, pour une raison qui m'échappe encore, il vous parle d'argent, vous avez juste à le supprimer, vous ajoutez une condition sur votre alerte,
Vous le laissez un petit peu chercher. Vous allez voir que le signal type, on, il va vous dire custom query. Je pense que c'est ça. Voilà, custom log search. Et là, en fait, vous pouvez lui dire, bah, si dans les dernières 30 minutes, ou vous pouvez faire du custom en lui disant, bah, si dans les dernières 24 heures, par exemple, bah, tu me trouves une query qui fait que bah, tel rôle en particulier va fail, envoie-moi une alerte. Alors attendez, je crois qu'il vous l'explique un petit peu. Voilà, il y a des actions ici. Et donc, vous pouvez faire absolument ce que bon vous semble. Hein. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que bon vous semble. Envoyer des emails, faire ce genre de choses, envoyer un SMS, une Logic App. Bref, vous pouvez vraiment customiser vos alertes directement depuis Log Analytics. On ne va pas le faire, vous n'en voulez pas. Mais en tout cas, voilà, c'est la possibilité. On peut aussi exporter sur Power BI, donc avec du mQuery, qui est un langage dont on passera les détails. Ça fait partie encore des trouvailles Microsoft. Mais vous avez la possibilité de faire de l'export sur Power BI et donc de voir ce que vous avez là directement sur du dashboard de Power BI et donc le passer à votre management, etc., Alors, pour qu'il puisse suivre en temps réel. si tu passes ton management, c'est pas pour BI qu'il faut faire, c'est du CSV, parce que tu sais qu'à la fin, chez Microsoft, tout se termine dans l'Excel. Oui, tout se Donc, termine dans un... Mais on va dire que le marketing nous tend à dire que Power BI, Ouais. c'est ce qu'il faut essayer de mettre en avant. Moi, je suis les règles, excusez-moi. Donc voilà pour la partie Log Analytics. Voilà aussi pour la partie Security Hygiene. Donc ça, c'est fait, mon cher Stan. Donc encore une fois, voilà, là ici, vous avez aussi un espèce de summary, un espèce de résumé qui vous montre un petit peu, en fonction du type, là ici, qui vous donne aussi le nombre de rôles sur Windows et sur Linux. Et puis, vous pouvez chercher aussi les recommandations. Si jamais vous savez quel est le CCID, c'est toujours le même. Donc, si jamais vous le recherchez ou si jamais vous les envoyez, vous avez la possibilité. Et puis, vous pouvez aussi les dismiss. Alors, dismiss, pour la faire courte, forcément, j'ai pas les droits pour le faire, mais vous avez la possibilité de dire cette règle-là, moi, elle ne m'intéresse pas, et donc de la dismiss ou en tout cas de la reopen dans le cas où vous l'avez dismiss. Donc, si vous êtes Justement. administrateur, vous avez le droit, si vous avez les bons privilèges, effectivement, de Exactement. dire cette règle-là, je sais que c'est pas terrible dans mon cas, mais j'en ai besoin pour la raison X, Y ou Z, et puis vous pouvez faire un dismiss Exactement. pour pas que ça apparaisse, que si, du coup, s'il y a plein de règles Et que vous ça pouvez jamais impacte sur le appliquer, Secure ça, voilà, Score. ça Et joue, puis je aussi, pense. ça impacte sur le Secure Score. Je veux dire, si par exemple, tu as une rule qui, pour une raison X ou Y, je sais pas, moi, si tu n'as pas besoin d'avoir du packet redirect sending parce que ton application en a besoin, typiquement sur du Linux, tu as une application qui se sert de ça, nous, on te conseille de le retirer. Oh, ben, tu ne vas pas le retirer, ça ne va pas mettre en danger ou en porte-à-faux ton business. Donc tu viens, tu dis non, moi, je sais pourquoi, dismiss-la moi, donc ne me le compte pas. Dans le calcul de mon Secure Score sur cette machine-là, ou en tout cas sur ce pool de machines-là, dans le cadre spécifique dans lequel nous nous situons. Donc voilà pour la partie Security Hygiene. On passe sur le deuxième qui était les alertes qui se trouvent. Hein, vous avez l'habitude, vous avez ici Security Alert, donc juste en dessous de recommandations. Et là, vous avez l'ensemble des alertes qui sont affectées, entre guillemets, ou qui sont relatifs aux ressources qui sont au sein de cette subscription-là. Donc principalement c'est des sample alerts. Donc ça aussi je crois qu'on en avait parlé dans une des vidéos. Donc vous avez la possibilité ici sample alert de dire je veux générer des alertes pour mes virtual machines. Et ce qui vous permet aussi de les travailler en amont parce qu'on avait beaucoup de clients qui nous disaient bah, je suis obligé d'avoir une alerte pour comprendre comment ça se passe. Donc je crois que je l'avais dit dans un épisode précédent mais je le rappelle au cas où des gens n'auraient pas vu un des trois épisodes sur lesquels on s'est un petit peu attardé dessus. Mais vous avez la possibilité de les créer entre guillemets en amont pour comprendre comment est-ce que ces alertes-là fonctionnent pour pouvoir les envoyer même sur votre SYN, pour pouvoir créer des Logica, pour pouvoir créer tout un pipeline d'automation. Comme ça, le jour où il se passe véritablement quelque chose, vous avez déjà tout votre pipeline créé et vous ne le créez pas en mode réactif, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui brûle, à ce moment-là, c'est là où on se dit, ah, mais il faudrait peut-être un camion avec de l'eau et des pompiers, etc. Non, vous avez déjà tout directement, la caserne est prête et le camion arrive directement tout seul comme un gant. Ce qui me permet de rebondir sur le célèbre triptyque de la sécurité, hein. Ce sont des gens, des processus et des technologies, et que la techno en tant que telle ne sert à rien si on n'a pas formé les personnes et que les personnes suivent et mettent à jour des procédures. Complètement. Alors, vous vous souvenez dans la partie numéro 1, c'est magnifique comme tout se connecte, incroyable, j'adore cette boîte. Vous vous souvenez sur la partie numéro 1, on avait parlé sur la partie SQL notamment, qu'une des principales attaques, une des principales campaigns, c'était la Vulgar Campaign, dont on vous a mis les liens dans la description de la première partie, qui était la chose suivante. En fait, il y avait principalement des attaques qui venaient d'Asie, qui scannaient en fait des grosses ranges d'IP pour trouver des serveurs SQL qui avaient le port par défaut toujours activé et qui étaient ouverts sur le net.
sur lesquels il y avait le login essay qui était toujours disponible. Et donc en fait, ils faisaient du brute force, vraiment de façon très très bête et méchante. Et une fois qu'ils accédaient donc au SQL Server, ils avaient donc accès à absolument toute la machine. Ils utilisaient principalement une stored procedure, enfin en tout cas une procédure qui s'appelait XP Command Shell, qui permet en fait à un utilisateur avec assez de droits de pouvoir exécuter une commande qui sera exécutée sur la machine, sur le underlying operating system. Alors ça, pour te traduire, sur le Bah, sur le sur l'OS système sous-jacent. sur le sous-jacent, voilà, merci Voilà. beaucoup. Et donc en fait ça permettait en fait de runner des crypto miners ou des ransomware, etc., etc. Et donc vous avez là typiquement, dans le cadre de notre sample alert, vous avez un digital currency mining qui a été détecté sur une machine. Alors là, en l'occurrence, c'est une sample VM, donc là, c'est un sample alert. Mais vous voyez encore une fois toute cette connexion qui se fait entre SQL et le système d'exploitation sous-jacent. Donc là, vous voyez, on vous explique comment est-ce qu'il faut take action, on vous explique comment il faut le faire. Vous pouvez, vous vous souvenez, vous avez l'habitude, créer une logica pour dire, bah, si jamais je vois ce type d'alerte-là, bah, bloque la VM ou bloque les ports ou supprime ça, enfin. Vous avez sky is the limit là-dessus et vous pouvez faire vraiment ce que bon Exactement. vous semble. Et vous avez également Voilà pour. l'évolution dans le framework Mitre d'AT&T également qui est Oui, donnée. complètement. J'en ai pas Ouais. parlé de ça, bien sûr, parce que maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Mais vous avez le même framework du Mitre Attack. Et puis là, on est sur la partie exécution. Vous vous souvenez, au plus on est loin, au plus ça veut dire que l'état est relativement critique. Au Donc là, plus ça sent mauvais, au la plus ça commande. sent exactement. Au plus il faut vraiment faire quelque chose. Ah ben tiens, du pétia. Oui, et ben voilà, tu l'as vu avant même que je clique dessus, donc il est là. Donc encore une fois, c'est un sample alert, mais comme je le disais précédemment, ce sont des alertes qui existent dans la vraie vie. Donc vous pouvez techniquement vraiment avoir un ransomware type Petya qui peut être mis par des utilisateurs ou par des hackers, par des utilisateurs malveillants, on va traduire ça comme ça. Et c'est des choses sur lesquelles aussi on va vous expliquer ben, comment est-ce que ça se traduit. Je pense que c'est à la même endroit. Voilà, donc c'est aussi de l'exécution malveillante. Et on vous explique voilà, comment est-ce qu'il faut le faire. On vous donne aussi le lien vers toutes les autres alertes sur la même ressource. Alors là, c'est Sample VM, donc forcément, vous allez en avoir toute une pléthore. Mais imaginons que vous avez un ransomware, ben, techniquement, vous allez surtout avoir avant du Suspicious IP Activity qui est un signe prémonitoire, entre guillemets, de bon, là, il est en train de se passer quelque chose sur ta machine, il serait peut-être temps que tu regardes ce qui se passe. Et puis l'IP anomalie se trouve principalement là ici. Donc vous allez voir aussi qu'au niveau du Mitre, vous allez voir que petit à petit, votre framework il va avancer petit à petit. C'est quand on voit un petit peu ce qu'on est capable de détecter, et donc ces systèmes de remontée d'alerte, quand on combine ça avec le fait que tu as expliqué tout à l'heure qu'on peut utiliser ces services-là, le Azure Defender for Server, pour des systèmes qui sont également hors de Azure. Quand on sait aujourd'hui, quand on lit l'actualité et qu'on voit le nombre d'organisations qui sont touchées par des ransomware et qui se retrouvent à l'arrêt pour certaines. Alors, pour le coup, si on parle de la France, on est début 2021, on a pas mal de cas effectivement qui vont toucher des hôpitaux ou des organismes gouvernementaux, mais il y a également des plus petites et plus grandes structures qui sont touchées. Mais on le voit tous les jours dans la presse quasiment, il y a un événement, genre tel hôpital ou telle mairie, etc., se retrouve à refaire du papier parce que pour l'instant le système est dégradé suite à un ransomware. Parce que ce sont des systèmes qui sont entre guillemets facilement attaquables, ils n'ont pas forcément là non plus, comme on parlait tout à l'heure, dans la première vidéo, la première partie, du manque d'experts en termes de sécurité, puis du fait que les systèmes sont de plus en plus complexes. On se dit que quelque part, ce ne serait pas inintéressant d'utiliser de l'Arc avec de l'Azure Defender pour se prémunir de ce type de menace. Ce serait vraiment, à mon avis, plutôt. Enfin, là encore, on peut être en mode réactif en se disant bah, je vais attendre que tout tombe, et puis après, je me C'est poserai la ça. question de je n'ai pas envie que ça se repose une deuxième fois, ou de se mettre en disant ça va tomber de toute façon, donc autant anticiper et prévoir peut-être des outils pour Ou limiter c'est la peut-être casse. même déjà tombé, parce qu'en vérité, nous, on a eu déjà le cas chez nous au sein du groupe produit, où en fait, on a des organisations et des clients qui ont déployé les solutions, et instantanément, on leur a levé des alertes en disant, non mais là, les gars, vous vous rendez compte qu'il y a un truc ouvert, il y a des mecs qui se connectent depuis la Chine, il y a des gars qui se connectent depuis l'Asie, depuis l'Europe de l'Est, depuis les États-Unis, depuis l'Amérique du Sud. Et d'un seul coup, le client, il fait, en fait, j'étais même pas au courant. Et ça me rappelle un peu la phrase que disait le CEO de Cisco, qui disait qu'en fait, il y a deux types d'organisations, deux types de boîtes, en fait, dans la tech. Il y a les boîtes qui se sont fait hacker et les boîtes qui savent pas qu'elles se sont fait hacker. Et ça résume parfaitement, en fait, cette situation-là.
Donc, beaucoup d'entreprises, justement, se disent, ben, moi, je ne me suis jamais fait attaquer, entre guillemets, à comprendre, je ne sais pas si je me suis fait attaquer ou pas. J'ai deux consultants en sécurité qui m'ont dit que tout allait bien, j'ai mis mon petit antivirus et puis tout va bien. Et puis, comme je vous le disais précédemment, ben, ça va déployer petit à petit Azure Defender ou d'autres solutions d'ailleurs qui sont très très bien aussi. Et d'un seul coup, ça va faire péter tout un tas d'alertes. Et vu que c'est de la, entre guillemets, c'est un peu de la médecine proactive, tout ce qu'on fait au sein d'Azure Defender, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui disent, non, mais moi, je ne vais pas mettre maintenant 5-10% de mon budget IT dans de la sécurité. Et une fois que ça se fait attaquer, ben, comme tu le disais toi, en fait, ça coûte tellement plus cher que d'un seul coup, les mecs se disent, non, non, ça, finalement, je vais les mettre, c'est X% parce que j'ai pas envie de me taper 2 semaines ou 3 semaines d'arrêt. Et que ça impacte après sur mes clients et sur ma renommée et sur la confiance que j'ai avec mes clients, etc., etc. Ouais, le message à la sécurité a un coût, etc., ça coûte cher. C'est un message que j'écoute depuis bon, 20 ans, hein, mais en fait, c'est toujours pareil. Hein, on doit aligner, entre guillemets, le coût de la protection par rapport au coût de la valeur de ce qu'on protège. C'est-à-dire, si vous mettez un truc qui va vous coûter 500, enfin, c'est une assurance, hein, tu vas pas payer une assurance par mois qui coûte 200 € pour une bagnole qui vaut 2 000 €, quoi. Tu vois, c'est complètement stupide. Mais par C'est contre, clair. si ta bagnole, c'est une Ferrari et que ça te coûte 100 € par mois, c'est pas cher. On se doute bien qu'une Ferrari, bah, c'est plus de 100 € par mois pour l'assurer. Je connais rien, mais je pense que c'est effectivement le cas. Donc, Je sais voilà, pas. c'est toujours pareil. Il faut mettre en face du coût de la protection, le coût de la valeur de ce qu'on protège et de se dire, si je perds ce système, bah, combien ça va me coûter, quoi. Donc ça va coûter en jour homme parce qu'il va falloir remonter le truc, ça va coûter effectivement service non rendu pour ses clients, en clients perdus, etc. Donc là encore, il faut juste faire son analyse de risque derrière et de se dire, Être pragmatique. est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre du Security Defender sur toutes les machines du système? Peut-être pas, mais peut-être toutes les machines qui sont les machines importantes pour le système, oui, c'est un intérêt. Voilà. Complètement. Et puis de toute façon, même de manière générale, encore une fois, je vous invite à aller regarder la tarification, puisque la tarification dépend aussi de l'accord que vous avez avec Microsoft, mais on n'est pas sur des tarifs qui sont vraiment hors de prix, surtout sur des machines qui peuvent coûter plusieurs milliers de dollars par mois. On parle de quelques dizaines de dollars par mois pour protéger une machine. Donc voilà, tu parlais d'une Ferrari où ça coûte 100 € par mois. Pour le coup, je pense que le rapport entre le prix de la VM et le prix de la sécurité, aujourd'hui, en tout cas sur la partie Defender pour serveur, il est quasiment identique, puisque c'est vraiment quelques dizaines de dollars par serveur. Exactement. On passe à la partie d'après. J'ai noté VA for Server, donc la partie Qualys. Donc on revient sur Security Center. Vulnerability Assessment, évaluation de la Vulnerability sécurité. Assessment. Voilà. Exactement, exactement. Donc là on va sur recommandations, recommendations. Et donc là vous allez voir un contrôle qui s'appelle Remediate Vulnerabilities. Jusque-là, rien de compliqué. Donc alors là il y a plusieurs recommandations sur lesquelles je voulais discuter avec vous. Donc vous avez celui-là qui vous dit qu'en fait la solution que vous donnez, je vous en avais dit précédemment, mais en fait vous en avez un qui vous dit qu'en fait vous devez déployer la solution entre guillemets sur votre VM. Vous avez celui qui est juste en dessous qui vous dit que les vulnerabilities doivent être Corriger. remediated, donc qui doivent être corrigés. Donc d'abord fixer celui qui est en haut, et une fois que celui qui est en haut entre guillemets est à none, donc c'est-à-dire qui a 0 sur X. Comprenez par tout est healthy et rien, et enfin vous n'avez aucune VM qui n'est actuellement pas protégée par la solution. Vous pouvez rentrer à l'intérieur. Et donc là, vous avez donc les steps qui vous disent bon, tout simplement allez regarder ce qu'on vous dit à l'intérieur. Voilà toutes les ressources qui sont actuellement affectées. Alors on le ferme par défaut parce qu'en vérité, bon, si je vous dis que VM6 elle est unhealthy, ça ne vous aide pas beaucoup. Mais par contre, si je vous dis que vous avez tout un tas d'updates et de patchs, etc., qui doivent être faits, vous avez des choses qui sont obsolètes, comme par exemple le Flash Player. On sait aujourd'hui à quel point le Flash Player est quelque chose qui est extrêmement vulnérable. Malheureusement, il y a énormément de failles de sécurité, non pas sur le Flash Player en tant que tel, mais sur des Flash Players qui ne sont pas mis à jour. Donc là, quand vous cliquez, vous avez aussi 4 sur 13. En Et plus, donc là, Adobe, vous je crois, avez la annoncer la liste. fin de Flash, donc autant dire que Ouais, ça va aller donc autant vous dire crescendo, que hein, voilà, voilà. il y a de moins en moins de mecs qui vont bosser dessus. Donc forcément, et donc là, ici, une fois que vous avez l'Affected Resources, on vous donne l'impact, on vous explique aussi. Comment il faut le mettre à jour, si vous avez des références additionnelles. Et si voilà, c'est ce que tu disais toi justement, eh ben, tu vois, il est juste là. Donc vous avez le lien qui vous permet de voir un petit peu que Adobe Flash Player, on commence à le à s'en passer. Et là, Exactement. vous avez aussi tous les threats, donc toutes les attaques entre guillemets potentielles qui pourraient éventuellement arriver si jamais vous ne le faites pas. Et puis les affected resources.
Donc voilà pour la partie vieille. Je crois qu'on avait parlé de ça, mais je m'en souviens plus. On va le refaire quand même. Sur certaines recommandations au sein d'Azure Security Center, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle exempt et disable. Donc là, bon, Donc, bien une liste entendu. d'exemption disant ces ressources-là ne les considère pas dans ton analyse. Voilà, D'accord. exactement. Alors c'est plus que cette liste de ressources-là. En fait, c'est ces subscriptions-là ou ces ressources-là. Je ne veux pas que tu. Bon, alors là, moi, je n'ai pas les droits, bien entendu, sinon ce serait trop beau. Ce qui est plutôt pas mal, hein, puisque ça veut dire que moi, en tant que simple reader sur la subscription ASI démo, je n'ai absolument pas les droits et absolument pas besoin de faire ça. Mais bon, en tout cas, ça vous montre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, vous sélectionnez soit les ressources, soit directement les management groups. Donc, management group, pour ceux qui ne s'en souviennent, pour ceux qui ne Au-dessus. savent pas véritablement ce que c'est, voilà, c'est au-dessus, ça englobe un certain nombre de subscriptions. Donc, si on refait un tout petit vraiment état des lieux, donc vous avez Azure, vous avez votre tenant au sein d'Azure, vous avez votre management group. Dans des management groups, vous pouvez avoir d'autres management groups. Dans des management groups, vous pouvez aussi avoir des subscriptions. Dans des subscriptions, vous avez des Ressources groupes. ressources groupes. Et dans des ressources groupes, vous avez des ressources en 2021 et on explique toujours. Voilà ici, bien entendu, je n'ai pas les droits carrément sur ce management group-là. Vous pouvez lui donner un nom, vous pouvez lui dire quand. Vous pouvez dire par exemple que pendant un mois, vous ne voulez pas l'avoir parce que vous n'êtes pas prêt, parce qu'on peut dire que vous n'avez pas installé sur assez de machines. Donc vous voulez d'abord, d'un point de vue opérationnel, le déployer sur l'ensemble de votre parc. Et après, vous vous laissez un mois avant d'attaquer cette partie-là. Mais vous ne voulez pas que votre Secure Score soit impacté par le fait que vous ne l'ayez pas encore. Que vous ne soyez pas encore occupé, vous mettez une exemption dessus. Vous pouvez dire est-ce que c'est parce que vous l'avez fait avec un autre logiciel, ou est-ce que c'est bon, je mets un risque, je suis d'accord. Vous pouvez aussi dire pourquoi et vous pouvez le créer. Et au bout de 30 minutes, c'est créé. J'aime beaucoup le risque accepté parce qu'effectivement en sécurité on fait que trois choses. On accepte le risque, c'est-à-dire on ne fait rien. C'est ce que là c'est l'exemple ici avec l'exception. Soit on transfère le risque et on dit ok bah, je le fais traiter par un tiers et c'est peut-être une société de service qui va gérer mon système d'information et c'est eux qui vont prendre la responsabilité. Peut-être avec Lighthouse d'ailleurs, parce qu'avec Lighthouse on peut administrer effectivement un partenaire peut administrer les environnements de ses clients en termes de airbag etc. Et puis bah, le troisième truc c'est effectivement bah, ça on traite le risque et dans ce cas-là on dit ok bah, là il manque tel composant ou faut le sécuriser. Ben je m'en occupe. Et là, du coup, je m'en occupe, c'est là, je fais des steps pour le sécuriser. Yes. Le exemple que vous avez là ici, vous pouvez le faire aussi sur des VM directement là ici. Donc en fait, ça va juste vous ouvrir le même page avec les ressources qui ont été sélectionnées. Alors là, encore une fois, la magie fait que j'ai pas les droits. Mais dans une vraie boîte ou sur une vraie subscription, j'aurais pu le faire. La même chose aussi, on peut créer des Logicap. Pareil, vous l'avez vu sur les trois premiers épisodes. Je crois pas que j'en ai dans cette subscription. Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin bref. Voilà. En tout cas, peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas les droits dessus. Ouais. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Mais vous pouvez aussi ici les voir et les créer et les modifier et puis les appliquer sur un certain nombre de machines. Policy Definition, ça vous permet de voir l'Azure Policy qui run derrière cette recommandation. Et donc la prendre, la copier, la modifier, etc., etc. Alors, quand c'est sur une policy qui est de type data plane, donc en réalité qui se sert d'un outil pour vous envoyer un certain nombre de recommandations, vous pouvez pas faire grand-chose avec. Quand c'est sur une policy qui est de type control plane, qui vous dit par exemple auditing votre auditing sur SQL Server doit avoir plus de 90 jours et que vous voulez que la recommandation vous dise que 60 jours, bah, vous pouvez aller modifier. Et la sign sur la même subscription sur laquelle elle est actuellement assigned. Je rappelle effectivement que les policy definitions se trouvent dans Azure Policy, qu'une initiative est constituée d'un ensemble de definitions et que les definitions sont modélisables en code, c'est du JSON, donc on parle de policy as code. Et si vous voulez éditer ça, vous avez une nouvelle extension sur Visual Studio Code qui permet de faire ça, donc faire ces modifications. Et vous pouvez également raccorder votre Azure Policy à un dépôt GitHub et du coup en fait déclencher des modifications d'Azure Policy directement par commit du code dans le GitHub. Et faire une espèce de CI/CD de policy C'est exactement ça. qui est plutôt pas mal. La dernière chose que je voulais vous montrer aussi, c'est quelque chose que aussi on vous en a parlé lors des trois premiers épisodes, c'est toute la partie ARG, donc Azure Resource Graph, donc Graph Explorer pour le coup, donc qui est la partie Explorer d'Azure Resource Graph, qui vous permet avec des queries KQL, donc de type Data Explorer, donc Gusto. D'en fait de voir exactement les mêmes résultats que ce que vous avez actuellement affiché et donc de venir un petit peu trifouiller tout ça et de les modifier en fonction de vos besoins. Donc ce que vous voyez là ici sur My Affected Resources ainsi que sur les Security Check, vous avez exactement la même chose
Si vous faites Open Query et que vous allez la run, vous allez voir exactement les mêmes retours, puisque là, vous avez le Assessment Key qui correspond au key, qui correspond, c'est entre guillemets, c'est l'ID de la recommandation que vous voyez, que vous avez vu sur mon écran, en l'occurrence, celle-ci. Alors du coup, juste petite question, on a vu donc effectivement qu'on a une solution de vulnerability assessment qui est basée sur la technologie de Qualys, D'accord. donc qui est du coup embarquée dans la licence Azure Defender. Donc techniquement, ça va se matérialiser comment? Avec un agent Qualys installé sur les machines qu'on veut protéger, donc machine dans Azure ou machine à Exactement. distance avec Arc. Et donc du coup, ce sera visible comme une extension, en fait, une extension Azure Security, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a une extension dans la VM, dans les propriétés au sein d'Azure. Et quand vous allez sur votre machine virtuelle, vous verrez qu'il y a l'agent Qualys qui a été installé. Et D'accord. derrière, en fait, l'agent Qualys est installé avec une licence, entre guillemets, Azure Defender. Effectivement, les données sont envoyées chez nous, sont pas envoyées à Qualys, comme on l'a expliqué. Et je crois que tu as des liens qui nous permettront J'ai un lien exactement entre. d'avoir toutes les informations sur comment installer cet agent, les différents moyens. Parce qu'on peut le faire de manière automatique, mais peut-être qu'on a envie de le faire contrôler avec son propre système de Complètement. télédistribution. Parfait. Yes. Alors la dernière partie, c'est tout ce qui concerne. Alors on va parler d'Adaptive Application Control. Il nous reste File Integrity Monitoring et toute la partie JIT et la partie Control, Cloud Native Control. Donc on va sur la partie AAD Control. Donc là en fait tout ce qui nous reste à parler se trouve dans Azure Defender. Vous voyez, vous avez le Azure Defender qui est juste là, qui est une page qu'on sur lequel on ne s'est pas attardé lors des différentes, les différents épisodes. Mais là, vous voyez que vous avez bah, donc tous les différents coverages, donc le nombre de bases SQL, le nombre de storage qui sont couverts ou pas couverts. Bon, là, pour le coup, sur cette sub-là, on a absolument tout activé. Hein. ASI Demo, ça porte bien son nom. Et puis en plus, je ne crois même pas avoir les droits. Donc même éventuellement, s'il y a des ressources. Ce qui est intéressant, par contre, de noter, c'est qu'à partir du moment où vous avez activé, on l'a dit et on va le répéter, à partir du moment où vous avez activé Azure Defender pour quelque chose, à partir du moment où vous avez une nouvelle ressource qui va apparaître, qui va être déployée dans cette subscription-là, 15 minutes après, puisque c'est le temps que met la policy à se déployer, mais entre 0 et 15 minutes après, vous allez avoir le système d'Azure Defender qui va être déployé sur cette même ressource-là. Donc, si là, d'un seul coup, je sais pas, j'ai une application qui a besoin de 5 storage accounts, et bien boum, directement, je vais passer ici à 64 et je serai à 64 sur 64 au bout de quelques minutes. Là, vous avez les Excellent. Security Alerts qui sont la représentation de ce que vous aviez sur l'overview. Vous vous rappelez, il y avait un tile, il y avait une espèce de. Il y avait un rectangle qui vous montrait toutes les alertes. Vous l'avez aussi, vous le retrouvez ici aussi. Un truc qui est vachement important, c'est toute la partie Insight ici. Qui vous montre en fait toutes les alertes qui entre guillemets qui sont le plus récurrentes et ici ceux qui sont les ressources qui ont été le plus attaquées entre guillemets donc les machines qui sont les plus vulnérables et puis les vulnérabilities de VM qu'on vous conseille de traiter le plus vite possible. Ça aussi un truc intéressant, c'est les SQL database avec le plus de vulnérabilités. Donc vous avez en fait vous pouvez vraiment jouer avec ça. Et le Just-in-Time Access, on en parle juste après. On démarre avec Adaptive Application Control. Donc, vous voyez, en fait, vous avez tout ce qui est Advanced Protection. On en parlait dans la première partie. Vous vous rappelez, le dernier slide, il y avait toute la partie Advanced Protection qui incluait justement la partie Just-in-Time, Adaptive Application Control, le Network Hardening et le File Integrity Monitoring. Le Network Mark, on n'en a pas parlé dans la première partie. Je vous montre, c'est une représentation graphique. Je vous montre juste après, de tout votre network, c'est-à-dire en fait de tous les VNets et qui communique avec, enfin, qui communique avec qui se trouve à l'intérieur de quel VNet. Et c'est très intéressant pour voir si vous n'avez pas, si par exemple vous avez deux services qui n'arrivent pas à discuter entre eux, vous pouvez vous creuser la tête pendant des heures. Vous venez sur le network map, vous vous rendez compte que les deux sont sur des VNets différents. Ah, ben, ça explique peut-être pourquoi ces deux ressources-là ne peuvent pas parler. Et le On Network commence Map avec. également va envoyer des messages comme quoi des NSG, des VNets ne sont pas protégés par exemple par des NSG. Oui, complètement. Complètement. Donc là, Adaptive Application Control, vous vous souvenez, je vous l'ai expliqué en vérité, ça vous aide en tout cas à trouver des softwares qui sont malicieux ou que sur lesquels vous ne voulez pas autoriser un certain nombre de machines à exécuter ou ne pas exécuter ces différents softwares. Donc en fait, vous pouvez faire ce qui s'appelle des custom groups. Donc vous avez sinon les groupes qui sont de base. Vous pouvez ajouter aussi vos propres custom groups dans lesquels vous pouvez dire bah, je veux avoir des machines Windows, des machines Linux qui sont Azure ou non Azure. Donc c'est important aussi de préciser ça. Et après, vous lancez un audit. Et en fait, ça va récupérer tout ce qui se trouve à l'intérieur qui répond à ces caractéristiques-là.
Nous, on va garder celui de base, hein, donc on va prendre celui-là. Donc là, il n'y a qu'une VM à chaque fois, donc c'est vraiment pour montrer un petit peu comment est-ce que cela fonctionne. Je voudrais juste vérifier sur celui-là, j'en ai, oui, j'en ai. Donc là, en fait, moi, ce que je dis, c'est que j'autorise en fait Google à faire un certain nombre d'updates, en tout cas, qui est de type exe avec tel user-là. Donc si jamais pour une raison X ou Y, imaginons que vous avez une application qui tourne avec un user qui n'a pas beaucoup de droits, et que pour une raison X ou Y, tout d'un coup, il y a suspicious IP activity suivi d'un changement de user sur cette application pour avoir plus de droits, pour pouvoir faire plus de choses, automatiquement, ça va être bloqué par Adaptive Application Control. Et bien entendu, vous allez recevoir une alerte avec Azure Defender. Donc, vous pouvez aussi rajouter des hash, vous pouvez ajouter des passes pour dire j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire ça. Et puis, quand vous ajoutez une rule, là, vous avez le droit de dire ben, je veux que certains users ont le droit de run quelque chose. Donc, vous avez l'exemple qui vous explique comment est-ce qu'on le fait ici. Ce qu'on Et vous pouvez fait, dire. si on fait de la PB Locker depuis 2012 R2, hein, donc c'est pas récent, hein, c'est vraiment exactement la même approche, hein. On est sur soit de la signature, on se base sur les signatures, les éléments de la signature digitale, des applications. Donc une application propre faite par un éditeur connu, normalement il signe l'ensemble de ses binaires, et les binaires effectivement dans la chaîne de certification du binaire et dans les méta-informations, on a les données sur effectivement quel est le vendor, sa localisation, jusqu'au produit. Donc on peut cibler en disant ben, j'autorise par exemple chez Google à utiliser l'updater de Google, l'exécutable ou Chrome et pas d'autres solutions. Et puis ben, pour les éditeurs qui ou pour des applications qui sont faites en interne et qui n'ont pas été signées, même si c'est pas forcément la best practice, ben, du coup quand on n'a pas de signature digitale, la seule façon d'être certain que l'exé qu'on est en train d'exécuter est bien le bon, c'est d'utiliser des hash. D'où effectivement le path allow list et le hash allow list dans lequel effectivement on peut dire ok, j'autorise les exés qui sont signés avec tel hash à être exécutés, ou alors les exés qui sont dans tel répertoire. Voilà. Exactement. Enfin, je dis exé Donc là au aussi. sens exécutable, hein, ça peut être Oui, mais après, il peut un avoir du script. MSI, du script. On peut dire aussi est-ce que je les veux ou pas. On peut ajouter un certain nombre de machines. On peut retirer. Enfin, voilà, donc là, vous avez véritablement toute la partie settings de ce groupe-là. Vous pouvez créer des nouveaux groupes, vous pouvez modifier des groupes existants. Et là, vous avez aussi tous ceux qui sont configurés. Donc il y en a aussi certains qu'on a rajoutés. Vous avez ceux qui sont recommandés. Aussi, vous avez ceux sur lesquels il n'y a pas de recommandation. Donc, en l'occurrence, là, il y a des VM qui est important aussi de venir ici parce que là, en fait, on vous montre toutes les problématiques entre guillemets et on vous les explique aussi. C'est-à-dire que si par exemple là, vous n'avez pas l'agent ou l'agent ne collecte pas les bons événements, on vous le dit aussi. Ou si vous avez certaines VM sur lesquelles on ne sait pas véritablement pourquoi, on vous les donne aussi. Et donc, après, vous avez la possibilité d'aller directement au sein de la VM et de venir fixer le problème. Effectivement, là on a Ça, des VM ici c'était. qui sont particulières parce qu'on voit que c'est des appliances virtuelles, des NVA qui viennent du marketplace sur lequel on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut parce que justement c'est une solution Exactement. packagée et donc effectivement c'est là où on va être. Alors, point important, probablement dans l'Adaptive Application Control, j'ai parlé d'exe, de MSI, etc. C'est très le monde Windows, mais effectivement j'ai vu qu'il y a les deux systèmes d'exploitation qui sont disponibles, hein, il y a Windows et Linux, hein, ce qui fait effectivement que tout à l'heure je parlais de la technologie ou de l'approche AWP Locker. Là c'est la philosophie qui est la même, hein, mais donc côté Windows, effectivement, c'est la même, mais on peut le faire du coup également côté Linux. Ça, c'est intéressant de contrôler effectivement quels sont les exés, Complètement. qui sont les binaires qui sont Complètement. Alors, exécutés. voilà, j'allais dire les binaires parce que Oui, les sur binaires. Linux, il n'y a pas d'exécutable. J'ai pas de machine Linux, donc ça va être compliqué pour moi Mais voilà, de le techniquement, faire. savoir que ça Mais existe. Voilà. techniquement, complètement, complètement. Donc là, si jamais je donne une subscription, si je lui donne un nom et que je l'audite, dans le cas où j'aurai des machines Linux, c'est important aussi de préciser qu'ils sont Azure ou non Azure. Et donc, vous avez la possibilité aussi de dire, je veux que toutes les machines non Linux soient 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc voilà pour la partie Adaptive Application Control. On passe à l'Adaptive Network Hardening, qui en vérité vous explique en fait tout ce qui doit être applied sur les différentes VM. Donc en fait là c'est en fait entre guillemets on vous dit qu'il faut dire en fait que Azure Security Center a analysé les différentes NSD qui sont associées. Et voilà comment est-ce qu'on peut faire le remediation step. Donc c'est une recommandation qui entre guillemets mise en avant sur Azure Defender et qui vous permet en fait directement de faire du hardening sur sur les virtual machines. Et là, on parle bien des virtual machines qui sont exposées avec des IP publics, où là, pour le Exactement. coup, c'est pas la peine de la laisser à poil avec tous les ports ouverts, hein, principe de la Complètement. sécurité, on réduit l'exposition. Et donc, on vous encourage très fortement à effectivement à activer ça. Alors,
La différence avec une NDG normale, le adaptative, si je me rappelle bien, tu me corrigeras si je dis des bêtises, c'est que l'adaptative va également s'adapter par rapport à l'usage qui est fait sur cette VM. Si on a vu qu'il n'y a que des connexions de type 3389, là encore par les logs, du coup, il va vous dire, bah, pour cette VM-là, fais une NSG qui ouvre uniquement le port 3389 et c'est tout. S'il est déjà ouvert, il vous dira ben, ne le ferme pas. Et puis si Voilà. pendant 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de connexion sur ce port-là, il Il va va et avoir voilà. un correctif qui va dire que tu devrais faire attention à Ou ce tu dois port-là. fermer ce Exactement. port, etc. Donc voilà, ça évite comme ça d'avoir des trucs trop ouverts, ou genre, ah tiens, on a ouvert un 443 et un 80 parce qu'on a fait un test et on a oublié de le refermer, mais il n'a pas été utilisé pendant X temps. L'adaptative control va dire, donc ça, tu vas aller le refermer. Voilà. Donc on a fait Adaptive Application Control, Network, on a fait comme ça, on va revenir ici, on va ouvrir le Network Map. On en parlait à juste titre, qui permet justement de comprendre un petit peu comment est-ce que c'est fait. Et donc là, vous le voyez devant vos yeux. Donc là, il y a ma fameuse subscription ASI démo, et puis vous avez l'ensemble de mes vignettes avec toutes les machines virtuelles qui sont regroupées à l'intérieur. Et donc si jamais je prends un vignette par défaut, ben j'ai toutes les Si jamais il y a des recommandations sur ce vignette-là, alors en l'occurrence là, j'en ai pas. Mais si jamais je prends par exemple ce groupe de machines-là, je vais avoir la possibilité de voir toutes les virtuelles machines. Et au niveau de la security health, je sais exactement est-ce que c'est grave ou pas, docteur, pour la faire simple. Donc ça, c'est pour la partie, je l'avais pas noté, la partie network map. On passe à la partie file integrity monitoring. Donc c'est à peu près, entre guillemets, similaire. À ce qui avait été fait, c'est vraiment c'est de la gestion de fichiers entre guillemets, donc c'est vraiment de l'intégrité de fichiers. Donc c'est là où vous allez pouvoir vérifier entre guillemets quelles sont les modifications qui sont effectuées sur les registries, sur les fichiers de conf. Donc on va prendre celui-ci par Est-ce que exemple. ça vient de ce qu'il y avait des packs également qui étaient disponibles sur la partie Azure Log Analytics? Il y avait le change tracking dans Log Analytics qui permet effectivement de voir les changements. Est-ce que Alors, c'est. il me semble que c'est ça. Je vais te le montrer de suite. En fait, quand tu runs un log, en fait, il va te montrer tous les changements qu'il y a eu, quand est-ce que ça a été changé, etc., etc. S'il veut bien nous le donner. Voilà, il est là. On va le faire run, parce qu'on est de bonne humeur. Donc là, on a tous les fichiers de conf et on peut savoir quand est-ce qu'il a été créé, est-ce qu'il a été modifié, est-ce qu'il a été ajouté, est-ce qu'il a été supprimé. Et quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été exactement, voilà. Donc on a tout un tas d'informations qui nous permettent encore une fois de créer tout un tas d'alertes. Parce que principalement le but de faire du monitoring, c'est pas juste de regarder sa liste, te dire ah bah c'est cool, j'ai 300 Voilà. fichiers de conf. Mais c'est vraiment venir dire voilà, si ça a été créé il y a plus de tant de jours et que ça a été modifié il y a moins de tant de jours, etc. etc. Lève-moi une alerte, envoie un mail, envoie un SMS, etc. etc. En fonction de la taille, en fonction de là où le fichier se trouve, en fonction de la machine sur laquelle ce fichier se trouve, vous avez la possibilité de faire tout un tas d'alertes. Et là ici, vous avez aussi tous les changements qui sont effectués. Donc là, plutôt que d'aller directement dans le serveur et de cliquer pour voir le serveur, vous avez aussi ce tab là ici qui est Changes, qui vous permet de voir bah, qu'il y a une registrie qui a été modifiée, qui a été ajoutée, modifiée, supprimée. Vous savez aussi quand est-ce que ça a été fait. Et donc, vous pouvez encore une fois créer tout un tas de rôles, etc. là-dessus. Encore, on surveille comme tout, hein, comme dans la surveillance, on met des alertes sur les choses Complètement. importantes. Donc, si vous avez un site web, vous avez un fichier de configuration qui fait tourner, qui est hyper important pour que l'application fonctionne, bah, c'est ce truc-là qu'il va falloir monitorer et puis lever des alertes si c'est modifié alors que ce n'était pas prévu par le pipeline, par exemple. Un exemple. Exactement. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le Just-in-Time VM Access, donc le JIT, l'une des fonctionnalités qui Historique. sont voilà, et déjà historiques, et puis surtout que c'est l'une des fonctionnalités phares d'Azure Defender pour serveur, qui vous permet en fait, alors pour celles qui sont configurées, ben, en vérité, il y a juste besoin de demander un accès. Et donc vous dites exactement de combien, etc., etc. Et puis après, ça a été c'est validé ou pas, vous dites. J'ai besoin d'avoir sur tel et tel et tel port, sur my IP, ou voilà le range d'IP sur lequel j'ai besoin, et j'ai besoin d'avoir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis on ouvre, et puis vous pouvez aussi dire pourquoi. Tout le système de tracking, principalement en cas d'audit, si jamais il y a eu, on s'est rendu compte que pendant cette frame-là, il y a eu un souci, une alerte, c'est aussi de regarder pourquoi est-ce que telle et telle personne est rentrée sur cette VM-là. Et pour les VM qui ne sont pas encore faites, vous avez toute la partie onboarding
qui vous permet d'enable. Alors, vu que j'ai pas les Oui, droits, je sais pas ne le s'il fais va me pas, c'est un laisser le cluster faire. OpenShift, ça, il va peut-être pas aimer. Oui, et puis en plus de ça, j'ai même pas les droits, hein, Voilà. donc Donc, on on résume va le éviter, just-in-time, mais hein, voilà. c'est on ouvre, enfin en gros les ports réseau sont ouverts le J'ai même temps pas qu'on en vu. ait besoin. Et donc, c'est mieux qu'en fait d'avoir une ONG qui dit bah, j'ouvre en permanence le port 3389, c'est-à-dire qu'en gros on expose des choses et donc on est potentiellement plus vulnérable parce qu'il y a des choses qui sont exposées. Là, l'idée de se dire, c'est quand j'ai besoin d'administrer, je fais une requête, j'ouvre pendant un certain temps par rapport à une IP donnée et donc ça génère le JIT en fait en arrière-plan, va mettre à jour dynamiquement en fait des NSG et les ouvrir juste pour vous. Donc c'est clairement probablement pour moi une des plus grosses plus-values d'Azure Defender en termes Complètement. d'exposition parce que là pour le coup on n'a pas des choses qui sont vertes en permanence. Et si on combine ça avec un bon airbag, c'est-à-dire que donner juste. Alors si on prend dans les parties, je ne sais plus dans quelle zone c'est dans les parties Azure AD Premium, où on a le PIM, le Privilege Identity Management, où en fait on peut demander des élévations de privilèges pour faire des opérations. Quand, si on Pendant un combine certain ça, nombre de données. et Si tu voilà, couples ça avec ça, c'est incroyable. si on a les deux ensemble, en gros, on donne les permissions, les pouvoirs d'administrer des choses à des gens pendant un certain temps, et c'est monitoré, et ça passe par une validation, avec la même chose pour les VM en termes d'accès réseau. Et là, pour le coup, le risque, il devient très très réduit quand on commence à faire ce genre de choses. Mais là encore, ça veut dire, on en revient toujours aux critiques, hein, techno, personne, people. C'est qu'on a mis en place les process pour dire, OK, désormais les gens, quand vous voulez administrer une VM, il faut passer par le just-in-time. Quand vous déployez une VM, il faut l'activer, le just-in-time, on le fera pour vous par policy. Ça veut dire que les gens vont suivre ce process. Et puis, du point de vue techno, on a mis en place effectivement les deux technos. Les deux technos toutes seules, elles vont servir à rien, en fait, si on n'a pas formé les gens et qu'on n'a pas les procédures associées. Mais combinées ensemble, effectivement, elles réduisent le risque de manière drastique, parce qu'effectivement, on contrôle vraiment quand on a besoin de faire des choses de manière administrative, on ouvre vraiment juste aux besoins au moment donné, quoi. Voilà. Complètement. Donc là, vous avez des liens aussi, si vous voulez comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'exactement Just in Time, même si on en a parlé, si vous voulez un petit peu creuser pour essayer d'un petit peu mieux comprendre tout ce qui se passe. Et vu que j'ai pas, en fait, j'ai pris des notes sur tout, sauf la partie la plus importante, qui est en fait comment est-ce qu'on déploie Azure Defender, parce que là, on est parti, toi et moi, du postulat que c'était déjà déployé. Bah oui. Même si vous le savez, puisque de toute façon c'est au même endroit, donc toujours pareil, hein, pricing and settings, parce que je ne l'ai pas noté ça, Stan, c'est pour ça que je ne m'en suis pas souvenu. Donc là ici, vous avez pricing and settings, vous avez là ici l'ensemble Abonnement de et vos management. management group et subscription sous-jacente. Vous avez aussi tous vos Log Analytics Workspace que vous avez créés ou qui ont été créés par défaut. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont intégrés, il y en a qui ont été créés par défaut, il y en a que nous avons mis, il y en a qui ont été créés par les utilisateurs. Et donc là en fait vous pouvez déployer Azure Defender Port Server sur un workspace spécifique. Comme on le disait précédemment, si vous voulez par exemple l'activer sur certaines de vos ressources et pas sur d'autres, vous créez un workspace par exemple dans une subscription qui va s'appeler production et un autre qui va s'appeler staging. Et peut-être sur la prod, vous allez tout déployer. Et sur staging, vous allez déployer qu'un certain nombre de plans. Par exemple, sur la partie SQL for machine, peut-être pas. Et puis que la partie serveur, mais pas la partie SQL. Donc, vous avez cette granularité-là et cette flexibilité-là. Et si vous retournez sur votre subscription principale, en tout cas pas sur la partie workspace, là, à ce moment-là, vous avez l'ensemble des plans. Donc, vous passez d'Azure Defender Off à Azure Defender On. Soit vous la jouez tranquille et vous cliquez sur Enable All qui va en vérité tout enable directement. Soit vous voulez avoir la granularité de dire et l'option de dire bah, je veux serveur mais je veux pas App Service, je veux pas Storage mais je veux Kubernetes, etc. etc. Et puis après, bien entendu, on n'oublie pas de save ici. Ouais, ça c'est le point important, on oublie souvent celui-là. Oui, Je sais pas complètement. pourquoi, d'ailleurs il est en haut, il est pas en bas, mais bon. En fait, il te suit tout le temps. Ah oui, dessus, d'accord, ok. En Ouais. fait, c'est une règle, c'est une guidelines Ibiza, donc Ibiza qui est Le portail d'Azur. l'équipe, voilà, le portail Azure, j'allais même dire, et l'équipe, parce que pour nous, en fait, il n'y a que des équipes. D'accord. On divise tout en équipes. Mais en fait, voilà, c'est ça, en fait, c'est le portail Azure. Il y a un certain nombre de guidelines qui tendent à dire qu'en fait, tous les boutons qui permettent d'enregistrer doivent être tout le temps en haut. Ils peuvent te suivre ou pas. En général, ils te suivent tout le temps. D'accord. 90% des blades, des pages sur MS, quand tu scrolles, ça te suit. Mais c'est toujours en haut. Est-ce que c'est logique ou pas? Bah ouais.
Joker. On vous laissera répondre dans les commentaires si ça Non, vous mais c'est dérange souvent, ou pas d'avoir t'as ces noms. le save, des fois, t'as les boutons create, eux, ils sont en bas. C'est pour ça. Mais en Ouais, fait. en fait, ouais, tu les as là, en fait. Par exemple, quand le access control ou le request control, il est au milieu, le take action, il est en bas. Ouais, Bon, c'est compliqué de faire une UI qui satisfasse tout le monde. Enfin, pour avoir connu l'ancien portail d'Azure, le premier, puis ensuite les débuts d'Ibiza qui seront le portail actuel, et qui a c'est une beaucoup beaucoup sacrée diff, hein. changé, beaucoup beaucoup Bien sûr. changé. Hein, qu'en 2014, je crois que c'est 2014 où Ibiza est arrivé, il y a beaucoup de monde qui a gueulé hein, parce que c'était l'interface était ultra compliquée, ça bougeait dans tous les sens, on scrollait latéralement machin. Depuis, on va dire, 3-4 ans, ça s'est bien 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 amélioré. C'est devenu Complètement. bien. Moi, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, du premier portail Azure. Dites-nous d'ailleurs si vous vous souvenez aussi. Moi, je me souviens du premier portail Azure. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était du Silverlight. Il y avait une Oui. espèce de cube. Tu te rappelles, tu avais les VM, tu avais les Oui, ça workerolls et c'était tu vraiment avais le un tout cube en premier, fait que ça. On tu parle pouvais de scroller ouais. comme ça. On Je parle de crois que c'était 2008. 2006. 2008. Ah, 2008, 2008, c'était c'était les previews. Début 2010, et puis après, c'est devenu portail tu avais bleu, un peu plus simple. workerroll, tu avais VMroll et SQL. Enfin, je crois que tu avais deux ou trois types de ressources que tu pouvais monter et puis c'est tout, quoi. Et à chaque fois que tu mettais à jour, il te prenait ta ressource, il la dupliquait, il mettait à jour la première et puis il retirait la deuxième. Et puis le temps de chargement, tu avais un cube Silverlight que tu pouvais t'amuser à tourner, ce qui était les prémices des temps de chargement déguisés. J'ai l'impression que là on est en train de passer en mode vieux con, là on est en train de raconter un petit Non, peu. non, mais non, mais non, Mais non, c'est la le totalité. portail a fait couler beaucoup beaucoup d'encre. Hein. Le début du Oui, portail le Ibiza, portail, exact. c'était un drame. Hein. C'était vraiment un drame. Et puis Je voulais. Oui, ça finit pardon. par être corrigé. Voilà, maintenant Non, mais moi, je c'est. trouve qu'il est pas mal, hein. Ouais, Il est pas. Il est... maintenant c'est bien utilisable. Y a pas de souci. Ouais, bon. L'auto-provisioning, on en a parlé en début de la vidéo, qui est une chose importante qui vous permet en fait de dire à Azure Security Center, crée-moi un workspace par défaut, par région, et puis en fait tu me reportes toutes les machines à l'intérieur. Là, j'ai pas les droits et forcément on l'a Bien pas sûr. mis. En tout cas, sur la partie log analytics, vous avez la possibilité de le déployer. Tu te rappelles, on avait parlé aussi des add-ons pour Kubernetes. Oui. C'est là aussi en fait que tu l'actives. Je crois qu'on l'avait montré sur la partie Kubernetes, je Non, pense. je crois qu'on l'avait pas montré, mais on On l'a avait pas dit, on parlait montré, pas, ouais, on c'est vrai. a parce qu'on peut le faire par policy en fait. C'est une Azure Ouais, policy exact. qui est derrière. Et effectivement, ça va installer un Gatekeeper Agent qui permet du coup de faire Exactement. de Et en fait, c'est là l'OPA. Ouais. ici que tu le fais. En fait, tu Bah, installes tu vois, je l'avais pas vu. l'Advisor. Super. D'accord. Je Et l'ai. donc, en fait, toute la partie log analytics, pour que ça puisse fonctionner, si vous voulez que automatiquement l'agent soit déployé, que le OMS agent soit déployé, que les logs soient récupérés vers Log Analytics Workspace, en fait, vous activez ici et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça vous récupère automatiquement et ça le store en fait dans un workspace. Donc ça, vous pouvez sélectionner le vote, soit vous pouvez dire Azure Security Center, bon bah tu mets le tien par défaut. Et bien entendu, vous avez les liens pour en apprendre un peu plus. Super. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, on voulait parler aussi des cloud connectors. Si mes souvenirs sont bons, Ah on va oui. vraiment le faire avec une toute petite parenthèse. Alors c'est pas là, on va le repartir ici, cloud connector. En fait, les cloud connectors, comme son nom l'indique, c'est des connecteurs vers des clouds publics extérieurs à MS. Et donc là, ici, pour le coup, j'ai un AWS et un GCP voilà, le numéro de mon compte. Quand vous pouvez créer, en fait, on vous demandait le numéro du compte, le ARN, le pass, le role ARN que vous devez créer directement au sein d'AWS. J'espère qu'on n'entend pas trop Non, non, c'est mes bon. camarades. Et donc, en fait, vous lui donnez un nom, vous lui dites dans quelle subscription vous voulez le créer, puisqu'en fait, on va vraiment créer une ressource au sein de votre subscription qui, elle, va englober, entre guillemets, toutes les virtual resources qui sont à l'intérieur de votre compte AWS. Et en fait, ce qui va se passer après, c'est qu'on va vous générer les recommandations qui viennent du AWS Security Center. Donc, mais ici, ils ont une espèce de hub qui vous donne tout un tas de recommandations qui sont les recommandations CIS côté AWS. Et donc, si vous allez dans les recommandations, vous en avez certaines qui sont des recommandations. Vous allez voir, on a rajouté un petit tag AWS. Donc, si on prend les environnements et qu'on lui demande uniquement les AWS et GCP, vous allez voir, c'est magnifique quand ça fonctionne, hein, bien sûr. Et ici, ah ben, Je en vois, il y a des fait, recommandations Amazon, j'en ouais, redshift sur par exactement. Et donc là, exemple. ici, en fait, voilà, exactement. Et donc là, en fait, vous voyez, là, ici, on vous dit exactement ce qu'on doit faire. Donc, vous avez le petit truc, le petit cube, c'est pas le carré, à chaque fois, je me trompe. Le cube AWS et GCP. Alors, étant donné qu'il y en a énormément parce qu'on les tire de chez eux, je crois que GCP, c'est le G, je sais pas.
C'est que chez nous, ça change tout le temps. Donc là, en gros, Donc voilà. on va chercher dans l'équivalent de leur security center les recommandations et on les réexpose en fait dans le contrôle, On les réexpose dans le exactement. dashboard d'Azure, du Security Center. J'ai vu également qu'il y avait tu as montré l'onglet, qu'il y avait une zone après qui était Arc. Et donc, je suppose qu'effectivement, toutes les machines du coup qui sont dans AWS, on peut leur mettre effectivement des agents Arc pour serveur. Et du Complètement. coup, ben, les retrouver, elles, sous la forme effectivement de VM Arc au sens Azure dans Security Center. Exactement. Et ce qui est vraiment important, en fait, c'est surtout, c'est qu'une fois que vous avez connecté votre AWS account, ça va aussi impacter votre Secure Score. Ce qui fait que là, ici, si on a un Secure Score de 61%, et que je vais sur mon portail AWS et que je regarde que MFA, il est bien enable pour le root account de ces ressources-là, eh ben, en fait, je vais augmenter mon Secure Score ici, mon pourcentage va lui aussi fluctuer en fonction de mon état, de ma posture de sécurité au sein d'AWS et au sein de GCP. Donc, encore une fois, quand on parle de multi-cloud, ce n'est pas juste venir ajouter, c'est véritablement intégrer l'ensemble des possibilités qu'offre Azure Security Center avec des ressources qui ne sont pas Azure, qui ne sont même pas pour le coup hébergées chez Azure, mais qui sont hébergées chez des cloud providers comme AWS ou comme GCP. Je t'en montre juste un dernier. Du coup, Le il y a une SSM Agent. instance, voilà. Exactement. Donc là, en fait, on a détecté qu'avec des EC2 qui sont l'équivalent des Azure VM et le SSM, en fait, qui permet justement de pouvoir connecter le. Comment ça s'appelle? C'est un software de chez AWS qui permet de configurer toute la partie System Management aussi de leur côté. Il y a une recommandation que je voulais te montrer, mais je ne m'en souviens plus. Alors attends, je crois que ça s'appelle. Je crois que si je rentre Arc. Je sais que le nom a été changé récemment. Je sais qu'il y a une recommandation au sein d'Azure Security Center qui vous permet aussi d'installer l'agent Arc directement sur des machines qui ne sont pas connectées. Et si tu peux revenir sur ton SSM, je pense que derrière il y avait écrit quelque chose dans le texte que j'ai lu rapidement, là où tu étais juste avant, Yes, bouge pas. qui était donc le C2. Donc je sais pas, tu dois pouvoir mettre le Je C2 crois qu'en maintenant. vérité, c'est même peut-être même celui-là. Mais alors attends, on va juste vérifier. Voilà, tu vois, le SSM Agent. En gros, on t'explique que le SSM Agent doit être installé dans la VM EC2 parce que c'est ça qu'on va utiliser pour provisionner Voilà, avec c'est ça. Arc. Bah, tu vois, bah, Voilà, donc voilà. Bah, c'était donc là. c'est ça. C'est voilà. Exactement, Donc tu vois, en ça va fait, permettre de leverager, de mettre c'est en celui-là. exergue C'est bien. Voilà. Je me souviens l'installation de plus. l'agent Arc. Voilà, super. Exactement. Donc voilà. Donc cette recommandation-là, je savais qu'elle existait. C'est juste que je m'y étais pas penché plus que ça. Donc voilà. Donc ceux qui veulent s'assurer, en tout cas, que l'ensemble de leur VM au sein d'AWS et au sein de GCP soit managé par Azure Arc, donc et les mêmes possibilités de gestion et d'opération que ce qui est proposé pour des machines virtuelles hostées au sein de nos data centers sur Azure, ont la possibilité aussi de venir là-dedans. Et donc, quand tu cliques ici, alors là, ça ne vous emmène pas sur AWS forcément, mais là, vous allez dans le Resource Health, un Blade, qui est en fait la représentation de votre machine virtuelle hostée virtuellement au sein d'Azure Security Center à travers le connecteur Azure Security AWS. Center. Et là, vous avez l'ensemble des recommandations. Et demain, si nous avons des alertes sur cette ressource-là, ce qui n'est pas le cas pour une ressource AWS, mais en tout cas, imaginons qu'il y ait des alertes, on pourrait aussi éventuellement les amener là-dedans. Super, ben là j'ai l'impression qu'il y a du coup ça va ouvrir, j'espère, plein de perspectives sur les gens qui ont effectivement des infrastructures Azure et qui ont besoin effectivement de les sécuriser. Alors plutôt en mode proactif qu'en mode réactif, ce serait idéal. Et puis aussi en plus on peut aider à sécuriser les environnements AWS. Un peu de troll ne fait jamais de mal. Non, mais pour le coup, Non. encore une fois, sans même troller, AWS ou de manière générale Amazon n'est pas un security vendor. Je veux dire, Bien ils ne se sûr. prétendent pas security vendor, ce qui est le cas de Microsoft, puisqu'on a récemment annoncé qu'en plus de rentrer entre guillemets dans le game du security vendor, on est le plus gros du marché. C'est-à-dire qu'on est passé de inexistant à plus gros sur le marché. Oui, et puis on a une offre en fait qui va, à la différence d'AWS, nous on va du PC entre guillemets qui est installé chez Datagenic ou dans les organisations, qui a effectivement des solutions, qui a des solutions de sécurité qui peuvent être soit grand public, installées par défaut dans Windows 10 ou d'entreprise avec effectivement Defender.
ATP. Voilà, donc effectivement, nous on va du poste client jusqu'au service de cloud en passant donc les différentes étapes du service de cloud, qu'on soit sur effectivement de l'infrastructure, du PaaS ou voire du SaaS, hein, parce qu'on a du Defender pour Office 365, etc. Donc ça Complètement. explique aussi effectivement qu'on est au-delà d'une télémétrie, une connaissance globalement du marché de la cybersécurité. Hein. Et puis pour les choses qu'on ne fait pas, ben on complète avec des partenaires qui viennent alimenter tout ça, quoi. Donc oui, non mais c'est je trollais gentiment, mais effectivement oui, c'est. Et puis il faut voir à la fin qu'il vaut mieux avoir un seul endroit où gérer sa sécurité. Et si effectivement la majorité de vos ressources sont dans Azure, et ben, du coup c'est quand même plus logique de dire ben, je vais si la plupart des ressources sont dans Azure, j'utilise Azure Security Center, je viens raccorder le tout avec en mode hybride. Avec Arc pour les ressources qui sont à l'extérieur et voir, je mets les connecteurs pour avoir un peu plus de choses. C'est juste la logique de ne pas vouloir démultiplier le nombre d'outils et de ne pas forcément, effectivement, en plus, payer cher des solutions alternatives qu'on installerait dans des data centers à regérer des machines, etc. Enfin, Complètement. faut Et évoluer, puis, quoi. il faut vraiment comprendre aussi que le Cloud Connector, c'est quelque chose qu'on a annoncé il y a quelques mois, qui était generally available, donc qui était, je ne sais même pas comment est-ce que tu peux, qui était GA, quoi. Ouais, Je pense qu'on va. disponible pour la prod. Disponible, voilà, disponible à la production. Donc, c'est-à-dire que vous avez le niveau de support maximum offert par Microsoft. Mais c'est que le début. Ça fait, encore une fois, ça fait vraiment que ça doit faire 6 mois, 1 an, véritablement, que Azure ouvre petit à petit le champ des possibles autour des solutions multi-cloud. Donc là, ce que vous voyez là pour le moment sur votre écran, Stan, on se donne rendez-vous dans 6 mois ou dans 1 an, et puis vous verrez que le portail aura changé drastiquement, il y aura plein de nouvelles fonctionnalités, Bien on sûr. pourra faire tout un tas de choses qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, parce qu'encore une fois, le multi-cloud, c'est une vraie tendance aujourd'hui, pas qu'au niveau de la sécurité, mais vraiment au niveau de la gestion. D'une manière générale, pas que axé sur comment est-ce que je sécurise, mais comment est-ce que je déploie, comment est-ce que je manage, comment est-ce que je monitor, comment est-ce que je gère au quotidien toutes mes ressources AWS, GCP, Private Cloud, Public Cloud, au sein d'une seule et même plateforme qui, au possible, serait Azure. Ça nous arrangerait. Eh bien, merci David. On a passé pas mal de temps. Hein. Ça fait quand même 2 vidéos. Complètement. On vous remercie pour tous ceux qui sont restés. Du coup, on se fait quoi la prochaine fois? Quelle sera la partie numéro 5? Bah écoute, vraiment comme bon te semble, viens on regarde dans pricing and settings. Écoute, on peut, vous savez qu'on en a quand même couvert pas mal. Il en reste encore beaucoup. Alors après, on peut peut-être essayer de partir peut-être sur Keyvolt. Alors moi, j'aime bien Keyvolt, j'avoue. Keyvolt. Alors Ah, Web on a App Service. Services, Keyvolt, et puis après on a les deux en preview. Je préférerais attendre qu'ils soient GA avant Eh d'en parler. ben, ok, donc je te laisse On le se choix fait App entre App Services, Services ou Keyvolt. Keyvolt. Écoute, on sera peut-être le 5 et 5 App 5. Service, 6 qui volent ou l'inverse. Écoute, Ok, ben vraiment, donc ben, abonnez-vous du coup à la chaîne quelque part par là. Je sais vraiment pas le faire, le truc avec les doigts comme ça qui. je crois que c'est vert. En fait, Hop là, je crois que voilà. la chaîne, je crois que C'est l'abonnement, inversé. c'est là. Voilà. L'abonnement, il est là et je crois que les autres. Voilà, c'est par là. Voilà, bon, en gros, ici, Bref. vous pouvez vous abonner à la chaîne, et enfin, toi, la playlist, c'est une playlist, pas une chaîne, c'est une playlist, et vous aurez donc les autres Azure Defender, et puis on se retrouve prochainement, effectivement, soit pour App Service, soit pour Keyvolt, on verra en fonction de l'humeur. Merci beaucoup et à bientôt. Merci encore, David, pour ton temps. Merci à toi. Ciao tout le monde. Bonne journée.